Petite info avant de commencer la vidéo, je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine, vous allez comprendre pourquoi en regardant celle-ci. D'ailleurs, je voulais vous informer qu'il y aura une vidéo par semaine au mois de juillet et pas de vidéo au mois d'août. Je sais que d'habitude je fais deux vidéos par semaine, mais l'été pour moi c'est hyper important de quand même prendre un petit peu une petite pause, même si je pense que... Je sais pas si je vais réussir à faire qu'une seule vidéo par semaine en juillet. Je vais essayer, mais je pense qu'il y en aura plus, je sais pas. N'hésitez pas à me suivre sur mon canal sur Insta, parce qu'on parle beaucoup là-bas, donc c'est grave cool. Et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien! Ce n'était pas prévu que je tourne une vidéo, j'ai pris ma caméra, je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jérémy et ce soir on va aller dîner avec sa mère. Donc, j'ai besoin d'avoir mon passage parce que littéralement on est censé partir en 30 minutes. Et je ne serai pas prête, on va pas se mentir. Mais je vais faire un truc vite fait à mes cheveux, un petit make-up cool, choisir une tenue et puis let's go! Et comme ça on discute, je voulais faire vraiment un vlog simple. Genre là ça sera la vidéo la plus simple de l'histoire. Mais c'est toujours cool! On va se préparer? On se dépêche? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez trop vous moquer de moi. Vous voyez quand je vous dis que j'étais en retard, c'était une blague en fait. J'étais... Là c'est trop tard en fait. Ça sert à rien que je me prépare littéralement. Jérémy il vient juste de m'envoyer un message, il m'a dit, parce que là il est au sport, je rentre, je me douche, on s'en va. Donc genre il est là dans 5 minutes, il se douche, et vous connaissez les douches de mec, et on s'en va. Ok. Pause. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Freshly Cosmetics. Je vous explique la situation. Il y a des années, j'avais reçu ce produit qui est le Glow Edition Body Oil, donc de la marque Freshly. C'est une marque vegan, donc en fait c'est une huile pailletée et qui est en plus ultra hydratante, qui aide pour la cellulite, etc. Et je vous jure que ce produit là, c'est un tout neuf, mais ce produit, je l'ai gardé pendant des années et à chaque fois, enfin en tout cas c'est mon utilisation, hein, vous faites ce que vous voulez, mais à chaque fois que j'avais une soirée, que ce soit en été en hiver, moi j'ai toujours les jambes super blanches, super fade. Dès que j'ai les jambes à l'air, je mets cette huile depuis des années. Et attendez, je vais vous montrer. Regardez ça. Vous allez voir la différence, vous allez comprendre. Hop. Est-ce que vous voyez la diff? C'est ouf. C'est trop bien. Vraiment mon indispensable de l'été, ça fait des années que je l'utilise. Et j'ai jamais été déçue, mais regardez la diff. Non mais c'est incroyable. Franchement j'adore. En plus j'ai reçu d'autres produits. J'ai deux autres petites choses à vous montrer. Le Hyaluronic Energy Body Serum. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me remercier parce que vraiment c'est un truc de fou. Je sais pas vous, mais je fais partie de la team des gens qui ont genre des varices, les jambes ultra lourdes, des douleurs. C'est vraiment un sérum, vous voyez. Et vous pouvez mettre ça sur vos jambes. Ça fait un effet ultra frais sur les jambes. On se sait, je sais qu'il y a des gens qui vont comprendre cette sensation de jambes lourdes. T'as l'impression qu'elle va exploser tellement elle brûle. Perso j'en mets là depuis qu'il fait vraiment chaud, avant de dormir, genre vraiment quand je fais ma skincare du visage, j'en mets. J'avais reçu un autre produit aussi, c'était l'auto-bronzant, c'est en sous forme de crème, faut le secouer un petit peu avant. Perso je mets pas vraiment d'auto-bronzant, surtout là à cette période de l'année, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. J'ai des copines qui mettent de l'auto-bronzant tout le temps, je me dis mais est-ce que je devrais vraiment essayer? Donc je pense que celui-ci je vais le tester, je l'ai jamais testé hein, je vous le dis, mais en tout cas je l'ai reçu, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. En ce moment sur le site il y a les plus grosses promos de l'année, genre là vraiment, et je crois que ça sort en même temps que cette vidéo, genre à 18h, il y a les plus grosses promos de l'année. Il y a moins 40% sur tout le site et vous avez en plus moins 5% si vous utilisez mon code ANDY5. Voilà, comme ça tout est cumulé et vous pouvez faire votre stock. Perso, si jamais ça peut vous aider, l'huile par exemple, elle me tient un an, vraiment en l'utilisant quand même assez souvent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vais faire comme c'est d'un dé, je vais me dépêcher, mais je quand même j'ai des trucs à vous dire là. Oh, j'aime bien quand on se fait des updates de temps en temps. Notamment dans une des dernières vidéos, on parlait du fait que je savais pas trop quoi faire cet été. Donc ce mois de juillet, enfin là à la fin du mois, je vais dans le sud. J'ai 3 voyages presse. Je suis super contente, j'en ai jamais eu autant rapproché. Et ces 3 voyages presse qui sont en France et d'ailleurs dans le sud. Donc littéralement je vais pas bouger. Moi j'ai mon père qui habite dans le sud, pour ceux qui me suivent vous savez. Et du coup bah je vais pouvoir aller le voir parce que là ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Donc franchement j'ai trop hâte. Je pense que ça va être trop bien. J'ai tout mon aussi, le meilleur festival du monde, vraiment je vais rien entendre, c'est incroyable. Je le fais tous les ans, donc là on y va avec Jérémy, on fait les deux week-ends, tellement on aime. Et ensuite, oh oui mon dieu, non j'ai failli louper le plus important, j'ai le concert de The Weeknd à Bordeaux. J'ai pris à Bordeaux parce que les concerts à Paris tombent pendant Tomorrowland, donc je pouvais pas tout faire début août. Et en fait après, moi je m'étais laissée vraiment libre. Je pense pas qu'il y ait de vidéo en août, comme ça je fais une petite pause de vidéo, etc. Je peux vraiment me concentrer sur d'autres trucs, même si ça va me faire trop bizarre, vraiment je sais plus faire des pauses de YouTube, j'en fais pas normalement. Donc voilà un petit peu le programme. Ce soir je sais pas où est-ce qu'on va aller manger honnêtement. J'ai rien suivi. Je sais juste que je suis très en retard. D'ailleurs pour l'anniversaire de Jérémy, vous savez ce que je lui ai pris? C'est trop drôle parce que même la vendeuse elle arrivait pas trop à y croire. Bon pourtant c'est bon, j'ai pas... Voilà. Mais je lui ai pris un sèche-cheveux Dyson parce que vraiment... Il aime trop ce genre de truc. Moi j'ai, vous savez, le Dyson Air Wrap là, et il se sèche les cheveux avec. Sauf que normalement c'est quand même fait pour se boucler les cheveux. Donc l'embout sèche-cheveux il est bien, mais si tu veux vraiment juste sécher les cheveux, il y a un sèche-cheveux incroyable chez Dyson. Et vraiment il me le prend genre tous les matins, il se sèche les cheveux parce qu'il se sèche les cheveux tous les jours.
N'en parlons pas. Donc tous les matins, il me prend mon sèche-cheveux et du coup, je me dis c'est bon, je vais lui en offrir un, c'est sûr. Et ça m'était resté un peu dans la tête. Et quand on était en Corée, un jour, ils ont fait le ménage parce qu'on est quand même resté un mois, donc c'était un peu chez moi. Et en fait, un jour, ils ont fait le ménage et je sais pas pourquoi, je suis passée du sèche-cheveux un peu pourri de l'hôtel à un Dyson. Comme ça genre, ils m'ont mis un Dyson. Donc bah du coup on se séchait les cheveux au Dyson et il était hystérique, genre il était trop content. Et du coup je me suis dit bon c'est sûr je lui en achète un. Et je lui ai offert bah hier soir à chaque fois, genre à minuit, à nos anniversaires on s'offre nos cadeaux. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui font ça. Nous c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais du coup il y a toujours une erreur de timing, genre dans la tête je me dis l'anniversaire c'est mardi, c'est bon, tranquille machin. Et à chaque fois j'oublie que la veille je donne les cadeaux donc je suis toujours très en retard. Enfin bref, je sais pas ce que je vais faire à mes cheveux, ils sont sales. Enfin ils sont pas sales mais ils graissent. J'ai changé de shampoing, ça me les fait graisser trop vite. Je les ai lavés hier, on dirait que je les ai lavés il y a 3 jours. Peut-être que je vais me faire genre un chignon plaqué. Faut quand même que je sois présentable, c'est un anniversaire. Et je suis avec ma belle-mère. Je discutais avec des gens de ma famille, enfin on s'en fout. Et je me suis posé une question, enfin on m'a posé une question. Bref, on en est venu au sujet de, ça serait trop intéressant. Là pour ceux qui regardent la vidéo, en plus je sais que si vous regardez la vidéo là depuis le début et que vous êtes encore là, c'est que vous me suivez vraiment parce que qui à part des gens qui me suivent ont quelque chose à faire de ce que j'ai offert à mon mec pour mon anniversaire, personne. Si vous regardez les vidéos et que vous me connaissez bien, dites-moi genre un peu ce que c'est mon starter pack pour vous. Genre par exemple, quelle est ma couleur, quand vous pensez à moi, c'est un peu chelou, comment je peux m'exprimer, je sais pas. Quand vous pensez à moi, oui voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous voyez, genre, comment vous me décrirez? Enfin, ma personnalité, oui, mais pas que ça. Genre, des éléments de ma vie, des couleurs, des trucs. Oh, c'est bizarre, j'aurais dû préparer ma question avant de la poser. Mais c'est trop intéressant pour moi, là, que vous me disiez en commentaire ça. Parce qu'en vrai, genre, par exemple, il y a des influenceurs que je suis, je pourrais grave les décrire. Genre, je sais pas, je les vois tout le temps porter du bleu. Ils aiment trop manger, je sais pas, des pâtes, même si ça, c'est un peu moi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des trucs qui ressortent pas mal. C'est grave facile de les faire pour les autres, mais alors pour moi, c'est impossible de savoir. Donc, dites-moi en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. Dans une de mes dernières vidéos, il y a des gens qui ont commencé à se faire des films parce que je racontais mes mauvaises expériences quand je faisais des feats avec des youtubeurs. Et il y a des gens qui ont commencé à partir en cacahuète, genre à s'inventer des trucs de fou, à dire oui, non, mais c'est sûr que c'est avec telle personne, c'est sûr que c'est avec telle personne. Les gars, vous pouvez pas trouver en fait. Je vous le dis direct, vous pouvez pas trouver. Et il y a même des gens avec qui j'ai fait des feats qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit oh, j'espère que c'est pas moi et tout. J'étais en mode oh my god, mais qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et voilà pour le make-up. Je pense que c'est bon, hein. C'est pas le make-up de l'année, mais les cheveux, la tenue, ça fera tout. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Coucou. Hein? Est-ce que t'as des inspi pour mon look de ce soir? Non. J'ai envie de mettre des petits talons. J'ai ces petits trucs blancs. Ça peut être bien, mais il faut quand même que je regarde la météo. Il est censé pleuvoir. Je ne sais pas. J'ai envie de mettre une jupe, mais je me suis pas épilé les jambes. Et vraiment là, c'est plus possible. Et qu'est-ce que je peux mettre? En vrai, je peux garder ce pantalon. Hein. Ce pantalon, il est bien avec ces talons, mais s'il pleut un peu, c'est un peu relou quoi. Faudrait un haut cool quand même. Ah, je sais. Une petite chemise blanche. Tac, des petits talons blancs. Et je mets un sac. J'ai pas de sac blanc. Cela, ça fait arc-en-ciel. Un sac noir avec ça, je sais pas. Putain, je suis nulle, je sais pas. C'est ça le problème. De toute façon, il y a pas 15 options, j'en ai pas 40 des sacs. Mais je pense que c'est une bonne idée. J'aime bien, mais j'aime pas. J'aime bien. Mais comme le pantalon, il est hyper large, ça fait vachement bas quand même. Jérémy, tu peux me dire 2 secondes? Bof, non. Mmh. Ça plus ça. C'est bien? Genre vraiment bien? Avec les talons, c'est bien? C'est grave classe. Tu penses? Trop. Pour ce soir? Ouais. Pas grave, si j'étais avec ma mère, mais oui, c'est genre tu vas à un event un peu classe comme ça. Sinon, je mets la même chose avec un jean. Ouais. Coiffure express spéciale, j'ai les cheveux moches. On se brosse les cheveux. Je prends, et pour moi, c'est le mieux pour que ça tienne bien, 2 élastiques comme ça, des super fins. On fait un truc pas trop haut, pas trop bas. Et je prends une brosse comme ça. Vous voyez ce genre de brosse pour bien plaquer. Moi, j'avoue, je mets pas de produit. Vous la voyez la bosse? J'abandonne. Je viens plus, Jérémy, ce soir. On arrête tout. Est-ce que mon chignon il est bien? Ouais. Regarde derrière. Ouais. Vas-y, tourne. Non mais tourne. Montre-moi ton visage. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Un peu de parfum. Est-ce que ça te gêne si je mets un parfum qui n'est pas mon parfum d'habitude? Non, ça va être une belle. Ok. Il sent tellement fort, mon dieu. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très simple. Bonjour, on est le 25 juin aujourd'hui, j'ai loqué. Quelques jours plus tard, bon au final j'ai rien filmé de notre soirée anniversaire, mais c'était trop cool. Aujourd'hui c'est dimanche et on s'est dit qu'on allait se faire une petite journée avec Jérémy à Paris. En ce moment on fait des trucs ensemble, genre on prend du temps pour faire autre chose que travailler ensemble et c'est génial, franchement j'adore. Là il va me rejoindre parce qu'il était pas là, puis on va y aller. Je sais pas ce qu'on va faire, on va manger, peut-être faire un peu de shopping.
Ping. C'était pas prévu, mais normalement, vous avez pas eu de vidéo pendant une semaine. Je vous explique, entre ce que vous venez de voir juste avant et aujourd'hui, il y a eu un truc super qui s'est passé. J'ai un abcès à cause d'une dent de sagesse. Donc en fait, quand je parle, genre là, j'ai mal. J'ai très mal d'ailleurs, on dirait pas, mais j'ai très mal. Vraiment, ça me tue la bouche, donc je dois me faire arracher les dents de sagesse. Je suis censée partir dans le sud pour travailler pendant 3 semaines, 2 semaines, je sais même plus. Donc je pense que je le ferai début août et les antibiotiques sont censés m'aider. Pour l'instant, ils m'aident pas, j'attends patiemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine parce que j'étais vraiment au lit, là, entre ce que vous avez vu et maintenant. Mais je suis de retour, voilà. Let's go! Attendez, je vous montre ma tenue du jour. Un déloyer noir, un pantalon blanc, il fait extrêmement chaud. Je pense que je vais avoir chaud, mais genre dans Paris, là, en short, pas trop trop. Bonjour. Bonjour. On va aller manger un Joe & Juice. Ah, je peux rajouter de la protéine. Viens, je fais ça. Oh là là, mais je vais être un... Je t'ai dit que j'allais devenir un monstre. On est bloqué dans le parking. Tu vas me casser ma caméra, je le sens, avec ta conduite agressive. Arrête! Arrête, pas drôle. T'as quelque chose à dire, la caméra? Non. Là, je peux pas, là c'est trop demandé là. Un peu de bonne humeur, de joie de vivre sur cette chaîne YouTube. Je fais que de te plaindre en vidéo. Un peu de positivité. Les gens regardent les vidéos, c'est pas pour s'en te plaindre. Tu klaxonnes qui toi? Arrête toi. Un toujours ça, genre un jus vert. C'est bon ton truc? Ouais. C'est vrai, je peux goûter? Ouais. Vraiment mal. C'est une catastrophe, il y a beaucoup trop de monde. Je sais pas ce qu'on va faire là. Je vous explique la situation. Il y a tellement de monde qu'on est en train d'abandonner notre mission shopping, qu'il était absolument pas une mission shopping à la base. Mais on est passé devant tout à l'heure et j'ai que ça en tête. On va aller manger, enfin prendre des petits macarons pour le chemin et on va rentrer. Hein. C'était un peu un fail. Ouais, complètement. Complètement un fail même. Un pistache, praliné noisette, un autre vanille alors, s'il vous plaît. Tu me files? C'est l'heure des macarons. Je précise que Jérémy est au régime. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez. Et puis j'ai voulu prendre 6, en fait j'en ai pris 8 sans m'en rendre compte. C'est pas grave, j'ai mangé. Ah non, j'ai pris que des goûts pour moi. Sérieuse? 8, ça va, tu vas pas manger 8? Je t'ai demandé! Oui, mais j'en voulais pas, mais là maintenant j'avoue que je suis en mode. Je rigole. J'ai pris des goûts, t'as peur? Que des goûts pour moi. T'as pris pistache, non? Ouais, j'en ai pris un à la pistache. Tu le veux? Non, vas-y, je te le laisse. Vas-y, c'est ton préféré, je suis sympa. C'est grave pistaché. J'aime trop manger. En vrai, je vais manger avec toi. Pardon? Je vais manger avec toi. De quoi? Des macarons. Je t'ai demandé quand on en a acheté. Elle me réveille là. Si tu voulais des macarons. Là, ça attends. Réveille mon envie là. Donc, tu m'as dit non, j'en ai pris que pour moi. T'as pris 8. En me disant comme. Mais oui, je voulais me goinfrer de macarons. Ok, bah vas-y, goinfre-toi, j'en prends pas. Vas-y, je vais t'en donner, tu me fais de la peine. Mais franchement, bon, t'abuses. Bon. On les a achetés il y a 2 minutes. Prends mon bout. Prends. Non, un entier ou rien. Ah bah en plus, c'est compliqué. Jérémy, il est pas là, il est un anniversaire. Il est 22h. Je viens de vous poster. Attendez, j'allume les lumières. Je viens de vous poster, pour ceux qui me suivent sur mon canal, sur Insta, des petites stories. Comme on est dimanche soir, je me suis tapé une motivation. J'étais sur l'ordi, je travaillais et tout. Et j'étais en mode, en vrai, demain, j'aimerais trop avoir, parce que j'ai un rendez-vous assez tôt, j'aimerais bien avoir genre une bonne morning routine, comme je faisais avant. J'ai écrit genre ma morning routine en mode 7h, je fais ça, 7h05, je fais ça, 7h20, je fais ça. Et je voulais envoyer dans le canal, comme ça, je me sens pas seule, genre on se motive ensemble. Du coup, là, il est 22h passé. Je me réveille à 7h demain. Du coup, moi j'ai vraiment besoin, comme tout humain sur cette terre, de 8 heures de sommeil. Ce que j'arrive jamais à avoir, hein, comme tout humain sur cette terre. Donc je vais essayer de passer la vitesse. J'ai mon appart à ranger parce que je peux pas du tout dormir en ayant un appart en bordel. Vraiment, c'est un truc, ça n'existe pas chez moi. Du coup, je vais ranger mon dressing parce que vraiment il en a trop besoin. C'est une catastrophe. Regardez, en fait là, je mets toujours mes produits que j'ai arrangés dans mon placard, enfin dans mes tiroirs. Mais là, tout s'est accumulé, c'est une catastrophe. Donc go tout ranger. Ensuite j'ai ma cuisine et mon salon à ranger après douche et je pourrais me dormir. Il y a tellement de trucs, c'est très grave. Je suis allée à la douche, j'ai mis mon t-shirt de pyjama jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ce matin en prenant un petit déj, j'ai mis du chocolat dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un peu le bordel. Comme d'hab, en ce moment je suis dans les vlogs bordel, je sais pas, j'ai envie de tout filmer, tout ce qui me passe par la tête. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je ne vous en dis pas plus, mais normalement, il y aura une guest assez spéciale qu'on n'a jamais vue sur cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok, je poste plein de trucs là-bas. Et nous, on se retrouve dimanche prochain sur YouTube à 18h. Gros bisous.